Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, il est 7h49, Georges n'a pas école aujourd'hui et je suis levée depuis 6h. Voilà, merveilleux, on adore ça. Donc, je vais commencer comme d'habitude à vous raconter mon petit week-end. Alors, le vendredi, il ne s'est rien passé, je prends mes notes hein, parce que je note sinon j'oublie les choses. Attendez, je prends mon carnet. Normalement, je note dans le carnet. Je vois mieux dans mon carnet que sur ma petite to-do list. Le vendredi, c'est rien passé. On n'a rien fait, tout simplement. Une fois que je vous ai laissé, j'ai dû aller à la sieste, ça, très certainement. Et puis, j'ai toujours pas rangé mon carton. Très bien. J'ai rangé tous les SP que Marise m'a envoyé. Donc, je vous montrerai ça tout à l'heure quand j'irai faire ma vidéo. Je suis gelée. Après, je vais allumer le feu. Le samedi, on a été chez mes beaux-parents. Mon homme a dû aller voir pour aller ramener la cheminée, nettoyer les poêles, réparer la cheminée parce qu'il y a une fuite dans la cheminée. Donc, on a passé quelques heures là-bas. Et du coup, on en a profité pour passer à un Action qui vient d'ouvrir près de chez eux. Ça fait pas longtemps qu'il est ouvert et moi je l'avais pas vu encore. Chéri avait été. Il m'a dit il est plus grand que les autres. Ouais, c'est vrai, il est grand. On voit que c'est de la rénovation récente. Il est très beau, très accueillant, très bien rangé. Ce qui est très étonnant chez Action. Et je vais vous montrer, je me suis pris deux, trois petites choses. Bon, j'ai vraiment pas pris grand chose. Hein. Tout ce que je cherchais, il n'y avait pas mes poudres non plus. Je voulais prendre les décos de Noël, mais monsieur m'a dit je vais pas acheter des décos de Noël depuis septembre. Enfin, on est fin septembre là. Mais en septembre, j'ai dit après, il n'y en aura plus, quoi. Et bon, on y retournera quand il aura eu la paye. Là, on n'avait pas eu la paye encore. Voilà, tout simplement. Pour Georges, je lui ai pris un long comme ça de masque. Voilà. Ça change un peu des militaires. Ils n'étaient pas bien chers, je crois qu'ils étaient à 1€ les 5. Il y avait deux sortes différentes, j'en ai pris qu'une parce que j'étais pas sûr qu'il allait les mettre. Et puis quand il les a vus et que je lui ai dit qu'il y avait deux sortes, il me dit, t'aurais pu prendre les deux. Il me dit, ça va être trop drôle à l'école. Donc voilà, il était super content. Je me suis pris un backup de mon masque. C'est mon préféré de tous les masques que j'ai pu tester pour les cheveux. Donc c'est de la gamme This Is It, la marque. J'adore cette marque chez Action pour les cheveux, franchement. Ils ont des super bons produits. Et c'est le Intense Repair à la kératine. C'est le seul masque que j'ai utilisé jusqu'à maintenant, pourtant j'en ai testé un paquet, hein, que j'ai vu une réelle différence à la première application. Je tombe en amour de ce masque, mieux que les Natéis encore, hein, dont je vous ai parlé pendant très longtemps. Et là, je suis en train de tester un de chez Action, toujours à l'avocat. Il est bien, il nourrit bien les cheveux et tout, mais il n'a pas la même efficacité que celui-là. Franchement, et je sais que Amy aime beaucoup celui pour les cheveux colorés de cette gamme-là aussi, mais... Franchement, si vous avez les cheveux longs, très 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 bonne gamme de produits pour les cheveux. Moi j'adore leur huile pour les cheveux, mais ils la font plus, je crois. J'ai le nez qui coule depuis ce matin, je ne sais pas pourquoi. J'ai la goutte au pif. Hein. Et j'ai pris celui-ci. Bah oui, comme tout le monde. Donc c'est la gamme Pumpkin. Donc il y a le shampoing et le masque. Et ça sent bon. Ah, j'adore. Moi, c'est une odeur que j'adore en automne. Ça et la cannelle. Oh là là, j'adore ça. Voilà. Et le masque, c'est pour tout type de cheveux, hein, que ce soit le shampoing ou le masque. Je pense que je vais les tester, même que je viens d'ouvrir le masque à l'avocat, je pense que je vais tester ceux-là d'abord. Le masque est plus petit, hein, parce que là, c'est un format 200 ml. Et le intense, c'est 400, je crois, 300. Et celui à l'avocat que j'ai en rouge, je crois que c'est aussi du 300, 3 ou 400. Donc, vu que là, on est en automne, je pense que je vais commencer la gamme là maintenant. Voilà, j'ai trop hâte. C'est une odeur que j'adore. J'adore. Et voilà pour mes petits achats à caution. C'était pas énorme, hein, mais on n'avait pas besoin de beaucoup non plus. Il n'y avait toujours pas les papiers cadeaux de Noël. Voilà, sinon j'aurais commencé à emballer le swap, mais il n'y avait toujours pas les papiers cadeaux de Noël. Du moins pas des bouts. Par contre, j'en ai vu un beau avec des taches léopards. Je pense que...
que j'en prendrai la prochaine fois que j'y vais pour quand j'ai un anniversaire ou des choses comme ça. Il était magnifique. Voilà pour le tour chez Action. Ensuite, j'ai Maryse qui m'a envoyé des messages le soir et en fin d'après-midi qui m'a fait. Elle m'a fait chialer. Elle m'a déjà renvoyé un colis. Non, mais c'est une grosse malade. Là, c'est totale surprise. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Bon, elle m'a dit, oh, il est vachement. C'est un tout petit, hein, il est moins gros que l'autre. En même temps, l'autre, il faisait quasi 10 kilos. Donc, faut déjà y aller pour faire pareil. Il fait quand même 2 kilos, hein, le bazar. Donc, voilà. Et on discutait ensemble. Comment ? Elle m'a fait pleurer. Elle disait que voilà, elle m'envoie donc les produits qu'elle n'utilise pas pour que je puisse tester. Ce que j'aime pas, je revends pour mettre de côté pour m'acheter mon meuble ou après refaire mes dents. Parce que oui, au bout d'un moment, j'ai quand même recommencé à mettre de côté pour mes dents, hein, parce qu'il faut que je les refasse. Là, j'ai une carie. Il faut que j'aille voir. Je crois que j'ai un début de carie. Il faut que je prenne rendez-vous. Il faut que je vois quand est-ce que chérie est en congé et que j'ai la voiture. Parce que maintenant, je peux plus emprunter celle de ma belle-sœur vu qu'ils l'ont embouti. Donc, elle m'avait déjà renvoyé un colis que je devrais avoir aujourd'hui ou demain, je pense. Là, j'actualise pour voir. J'adore actualiser mes suivis de colis. Et du coup, après, on parlait de mon meuble, justement. Elle me demandait où ça en était parce que je dis, à cause de toi, j'ai plus de place dans mon meuble. Il faut vraiment que j'aille chercher l'autre. Et je dis, bah écoute, pour l'instant, j'ai rien de côté puisque une priorité à terminer le swap que je vais terminer ce mois-ci et le concours de Noël que normalement, je devrais terminer ce mois-ci aussi. Grâce à mes ventes Vinted, ma monétisation et tout ça, mon budget mensuel. Donc, du coup, je sais acheter tout d'un coup ce mois-ci. Et après, je pourrais mettre de côté pour le meuble. De toute façon, il n'y a toujours pas de stock sur Ikea. Je ne sais pas jusque quand. Si quelqu'un sait, dites-le-moi, parce que ça m'énerve que ça ne rentre pas en stock. Donc, elle me disait... Elle me demandait le prix du meuble et tout ça. Et après, elle me dit, attends, j'ai une idée. Alors ça fait peur quand Maryse vous sort un truc pareil. Et elle m'a mis une photo de toutes les petites palettes Pat-McGrath qu'elle a. Et elle m'a dit, je te les envoie, tu les testes, après tu les revends et ça te fait les sous pour ton meuble. Je dis, non mais t'es malade, t'es une grande malade. Voilà, ça, c'est gentil hein, parce que c'est pour ça que ça me faisait pleurer. J'ai jamais eu autant d'attention de la part de quelqu'un, pas ma mère quoi, je veux dire. Donc voilà. Elle me demandait après pour ma santé et tout, alors qu'elle est plus âgée que moi, donc forcément, c'est un peu une maman de substitution et je suis un peu sa fille de substitution. Je crois qu'elle a qu'un fils. Et voilà, c'est très beau ce genre de personnes, c'est très beau à voir qu'il y a encore des personnes comme ça sur Terre. Donc après, oui, il y a des trucs qui vont aller sur Vinted, il y a des trucs que je donne aux filles. Manon a eu l'idée justement de dire, bah écoute, par exemple avec la Outrera que vous avez eu vous lundi, vous avez vu la grosse déception de ce truc. Je sais que Manon la voulait. Après, je suis pas sûre qu'elle lui plaise. Je sais que Maryse m'envoie les produits pour que je les vende pour me faire des sous. Donc je suis en train de dire, si j'y donne, qu'elle aime pas, j'ai pas envie que ça traîne dans ses tiroirs et tout ça. Donc du coup, elle a proposé qu'elle va l'essayer. Si elle aime pas, elle revend sur Vinted et elle m'envoie les sous après. Comme ça. Maryse n'envoie pas les produits pour que ça traîne dans les tiroirs l'une de l'autre, mais en même temps on peut essayer certains produits qu'on n'a jamais testés l'une et l'autre quoi. Voilà. Donc comme ça elle sait que c'est pas de l'argent qui dort et qu'elle n'envoie pas pour que je distribue à droite à gauche quoi. Bon après je pense pas que ça la dérange en soi, mais voilà, c'est adorable. Donc, elle m'a fait chialer. Voilà. Et le dimanche, bah, j'ai tourné la vidéo sur la palette Outrera. J'étais déception toute la journée. J'ai fait mes ongles. Je sais pas si vous allez bien voir. Avec la luminosité de feu. J'ai refait du cat size et par-dessus, j'ai mis du spider gel argenté. Voilà. J'ai fait des rallonges à la pose américaine. Parce que celui-ci, j'avais cassé le petit doigt. Puis je l'ai voulu un peu plus long que ce que j'ai. Parce que moi, ils sont... Le focus a du mal. Hein. Voilà où ce qu'ils sont, quoi. Après, ils sont pas courts, hein, les miens. Mais je les voulais un peu plus long. Du coup, je parlais aussi avec les filles. Après, avec la pose américaine, là. On utilise... J'ai la boîte. Merde, tu vas te la remontrer.
de la remontée. J'ai la boîte de chez Ongle 24. Il y a 10 tailles de tips dedans, mais j'en utilise 4-5, je crois. Donc le reste, c'est un peu chiant. Et c'est chiant parce qu'on ne sait pas racheter juste les tailles qu'il nous faut après. Donc là, j'aurais demandé leur taille à elles, parce que celles que moi, j'utilise pas, bah, autant que je leur donne, ça leur fait plus de stock pour faire leurs ongles. Mais c'est vrai que c'est chiant qu'on puisse pas racheter juste les tailles qui nous conviennent quand on n'est pas professionnel, puisque moi, je les fais que sur moi, mais voilà, quoi. Une fois que je les ai fait, les autres, elles ne me servent plus à rien. Et revendre les tailles qui servent à rien, ça conviendra pas forcément tout le monde. Oui, je vais en profiter pour me coiffer en même temps. Voilà, voilà. Et du coup, chérie a fait la réservation pour le repas du boulot. De son boulot. Hein. Moi, je travaille plus, je vous rappelle. Oui, parce que j'ai eu un beau commentaire ce matin. J'ai trop rigolé. Qui est le 17, non, le 13. 13 novembre. Donc, on a encore un peu le temps. Jour où on avait prévu de se voir avec les filles. Il me dit, bah non, ça va pas, c'est le repas du boulot. Donc on y va en bus, puisqu'il y a un bus qui vient nous chercher, qui nous ramène pas très loin de chez nous. Sauf que on va loin de chez nous. On va près de chez Manon d'ailleurs. Donc il y a quand même 2 heures de bus minimum. Ça commence à 18h30, donc on va partir vers 16h. Et voilà, mais alors ça va être un truc de fou comme d'hab, quoi. Repas sensoriel. Donc je pense que c'est le repas dans le noir. Alors, c'est ce que je disais avec mon chéri, ils ne peuvent pas faire ça s'il y a des qui ont la trouille du noir, quoi. Il y a des adultes qui ont peur du noir aussi, donc peut-être dans la pénombre, mais pas forcément entièrement dans le noir, on verra bien, hein, de toute façon. Et il y a une star qui vient, mais personne ne sait qui c'est, et le directeur ne veut pas dire qui c'est. Donc tout le monde se fait des films. Il y en a plein qui parlent de Soprano. Alors j'ai déjà dit, si c'est Soprano, c'est pour ça que je viens. Maintenant, je sais pas, ils peuvent faire venir Maître Gims aussi, David Guetta. Mais c'est une grande star internationale, apparemment. Mais je dis, ça se trouve, on va se taper Grand Jojo, quoi. Voilà, parce que tout le monde n'a pas la même notion de star. Il y en a qui parlent de Stromae aussi. Après, je suis pas fan, donc ça, je m'en fous. Et puis après, c'est soirée dansante. Mamie va bouger son cul depuis le temps que j'ai envie de danser. Vous n'imaginez même pas à quel point j'ai envie de danser. Donc voilà, mamie est contente. Rien pour la soirée dansante, mamie, elle est contente. Et voilà pour mon petit week-end. Sinon, cette semaine, ça va être tournage de vidéos, hein, en priorité. J'attends mes commandes révolution. Ah oui, commandes révolution. J'en ai fait deux. Hein. J'ai commandé les deux flawless d'Halloween. Et puis après, on m'a partagé la flawless en coffret, la édition spéciale. Donc j'ai commandé, évidemment. Hein. Sauf qu'il y en a un des deux, bah, c'est celui du coffret. C'est bien la bonne adresse, mais quand je regarde sur le suivi, c'est marqué destination France. Mais non, les gens, j'habite en Belgique. Donc pourquoi il marque France? J'espère que ça va pas coincer quelque part. On verra bien. Pourtant, c'est bien la bonne adresse et c'est bien marqué Belgique. Hein, donc je comprends pas. On verra bien. Fois. Je sais qu'il y a beaucoup de soucis en ce moment avec certains colis. Et Amy a toujours pas reçu le sien, donc je pense que la poste ou la douane les a paumés, tout simplement. Pour une fois qu'elle commandait sur Révolution, la pauvre, elle n'a pas de chance. Moi, c'est estimé le 1er au 4 ou 5 octobre, donc c'est la semaine prochaine. Ça. Normalement, il faut une semaine et demie. Chez moi, il faut une semaine et demie en principe pour qu'ils arrivent. Il y en a un qui est prévu le 4 et un le 5, je crois, ou le 5 et le 6, donc ça fait une semaine et demie. On verra bien, mais moi j'ai jamais eu de souci avec Révolution. Bah, de toute façon, c'est pas Révolution qui pose problème, hein. C'est ce que je disais à une personne qui se plaignait là, que son colis était bloqué aux douanes. C'est pas Révolution qui fait bloquer les choses, c'est vraiment les douanes et, ou la poste. Révolution, eux, ils emballent le colis, ils l'envoient, puis après, ils savent plus rien faire, ils ont plus de contrôle sur la chose. Donc, surtout qu'ils sont assez arrangeants, ils ont un très bon service après-vente, donc si jamais le colis est déclaré perdu, il sera remboursé ou renvoyé, ça, c'est pas un problème. Maintenant, il faut que les douanes ou la poste acceptent de le déclarer perdu aussi, vous voyez. Donc, mais bon,
faut pas s'en prendre aux gens qui reçoivent leur colis en temps et en heure et qui n'ont pas de soucis de livraison. On peut rien. Hein. Voilà. Non mais. Bref. Donc, bah voilà pour mon petit week-end. Ouais, la semaine, ça va être tranquille. Hein. De toute façon, là, j'ai déjà toutes mes vidéos, à part celle de vendredi, que je vais aller tourner maintenant. Après, j'attaque la semaine prochaine. J'ai hâte de tourner celle du mercredi. C'est la Queen of the World du Mexique, du Canada. Mais je vais y arriver. Hein. Je vais faire tous les pays d'Europe avant de tomber, tous les pays du monde avant de tomber sur le bon. C'est le Canada. J'ai enregistré la photo, mais ça, je vous la partagerai dans la vidéo parce que je ne veux pas vous spoiler. Je vous ai dit, il y a 3 vlogs en arrière, je crois que j'étais en train de faire la couronne déjà pour cette vidéo-là. Et je suis tombée sur une publication Instagram, c'est quasi la même chose. La couronne, hein, pas le make-up, mais la couronne, oui. J'ai partagé au fil, j'ai dit, non mais lol, quoi. C'est un truc que je fais moi-même. Et je tombe sur quelqu'un qui a fait presque la même, quoi. Donc, je vous montrerai ça dans la vidéo de la vidéo de la cuisine. Oh là là, ouais. J'ai pas beaucoup dormi, hein, encore. Oui, le commentaire de ce matin, c'était « À part dormir, jouer, faire des vidéos et faire des commandes sur Internet, tu fais quoi de ta vie ?» Ben, comme je lui ai répondu, répondre à des commentaires aussi con que le tien. Voilà. En plus, c'est un compte qui a été créé juste pour me mettre le commentaire en même temps. Hein. Et d'abord, monsieur s'était trompé. Il avait commenté avec son compte à lui, quoi. Donc, j'ai eu 2 fois le même commentaire, sauf que le premier a été supprimé. Il a recréé un compte pour pouvoir me le remettre. Et à part ça, c'est moi qui n'ai pas de vie, n'est-ce pas? Bah oui, bien sûr. Bah ouais, j'ai que ça à faire, moi. Voilà, comme quoi, hein, les gens... Hein. C'est tellement facile de juger et de critiquer les autres alors que forcément tu montres à quel point toi tu n'as pas de vie. Je trouve ça un peu débile, mais voilà. J'appelle ça de la méchanceté parce qu'à partir du moment où vous jugez et critiquez quelque chose qui ne vous concerne pas et qui ne change rien à votre vie, moi j'appelle ça de la méchanceté. Et la méchanceté, c'est pas les gens qui se défendent derrière. D'ailleurs, sur mon vlog de la semaine dernière, à peine publié, 4 pouces vers le bas. Mais je vous jure, à peine publié, hein, en une demi-heure top chrono, 4 pouces vers le bas, et le lendemain, il n'y en avait plus. Voilà, plus aucun. Et puis, j'ai eu aussi 3 ou 4 pouces supplémentaires par vidéo, donc en même temps que sous le vlog. Et pareil, le lendemain, hop, disparu. Donc ça, c'est quand les gens s'amusent à faire des faux comptes juste pour aller mettre des pouces, quoi, voyez. La stupidité. Et à part ça, c'est bon qu'il n'y a pas de... Ben ouais, si tu veux. Bref. Bon, voilà pour aujourd'hui, je pense que c'est bon. Sauf si jamais je recevrai le colis de Maryse, à ce moment-là, je l'ouvrirai avec vous. Mais je pense que ça sera pour demain. Puisqu'elle l'a posté samedi, donc ça sera que pour demain. J'attends rien de spécial au facteur puisque j'ai plus de colis AliExpress en attente. Et je vais pas refaire de commandes ce mois-ci parce que priorité maintenant au swap et au concours. Parce qu'il y a encore 2 produits que je dois vous commander pour le concours. Après, il faudra que je trie un peu, voir tout ce que je vous ai mis parce que je crois que j'ai un petit peu exagéré. Donc on verra bien. Sinon, ouais, la journée va être... tranquille, il faudra que j'aille à la sieste, hein, forcément, parce que mamie va être fatiguée vu que je me suis levée tôt. Donc là, je refais mes petites couettes, je vais mettre mes extensions vertes pour aller tourner la vidéo sur une palette verte. Je vais mettre les verts néons, je vais vous montrer. Attendez, j'attache ma couette. Ça m'arrache la tête, ça serait bien. Je suis d'une délicatesse en ce moment, moi, c'est un truc de fou. Je sais que vous aimez beaucoup quand je fais mes petites cahuètes. J'essaye de trouver des petits élastiques blancs pour faire des décos, comme on voit partout en ce moment, avec les petits élastiques blancs là sur les cheveux foncés. Je trouve ça tellement beau. Ou décoloré, comme j'en ai pas trouvé chez Action. Hop là. Donc je vais mettre ces mèches là. Il faudra que je les coupe, celles-là, je les ai pas encore utilisées. Voilà, voilà. Sinon, je vais même pas jouer du week-end.
J'aimerais bien jouer un peu quand même. Je vais juste l'attacher par-dessus les autres, comme ça on la voit bien. Et on voit pas la tache avec ma caouette. J'ai les cheveux mêlés à mort. Hop là! Ouais, hein, ce sera bien comme ça, mais il faut que je coupe la pointe, je crois. Ouais. Il y a quelques centimètres qui rebiquent. Voilà, bah écoutez, je vous laisse ça pour aujourd'hui, sauf si je recevrai le colis de Marise, mais j'ai des gros doutes, hein, sinon on déballera demain. Et voilà, donc de toute façon, ça fait déjà 20 minutes que je blablate, comme d'hab. On suit le jour. Alors, il est 10h03, je vais peut-être les zoomer un petit peu, non? Ce make-up, vous l'aurez demain. Voilà, c'est avec une des palettes Colourpop que j'ai reçues de la part de Maryse. En parlant de Maryse, elle a encore frappé. Voilà. Donc, avant de revenir aux choses sympas, je vais faire un petit coup de gueule. Voilà. J'ai publié hier pour moi la vidéo sur la palette Autrera Beauty de Sananas. Et c'est un lynchage public. J'étais à 19 pouces ce matin. Attendez, je vais vérifier. Je vais juste baisser le son de mon téléphone. Je vais vérifier à combien est-ce qu'on en est maintenant. Après, il y en a qui vont disparaître. Hein. Je suis toujours à 19. Donc, il y a les pouces vers le bas. Donc, apparemment, l'honnêteté, c'est bien, mais à petite dose. Hein. Il ne faut pas être trop honnête. Ça dépend à qui on s'attaque. Parce que. Quand j'ai dit que la palette Sample Beauty c'était de la merde, personne n'a réagi comme ça. Voilà, donc là, apparemment, quand c'est Sananas, on n'a pas le droit. J'ai également eu droit à une agression, enfin des remarques en message privé de la part d'une fangirl, hein, je pense, une gamine de 15 ans, je pense, c'est pas possible autrement d'être aussi bête, du genre en me disant. T'as pas le droit de critiquer ce que Sananas elle fait, tu lui arriveras jamais à la cheville, de toute façon tu sais même pas de quoi tu parles, elle c'est une professionnelle, alors non, c'est pas une professionnelle. Après elle me mentionnait Gaëlle, la marque Martine, là, que je ne suis pas du tout, ne c'est pas une professionnelle non plus. Dans les trois qu'elle m'a cité, il n'y a que Marion qui est maquilleuse professionnelle, voilà. Les autres ne sont pas professionnelles, c'est pas parce qu'elles ont un compteur de fou que ça fait d'elles des pros, hein. Elles n'ont pas fait les formations, elles sont lambda comme tout le monde. Hein. Moi, j'ai donné mon avis en tant que cliente, même si je n'ai pas payé la palette et qu'on me l'a envoyée, voilà, que c'était un cadeau. Je suis là pour être honnête avec vous. Je ne vais pas vous dire, ah, c'est génial parce que c'est des ananas, hein. Il ne faut pas rêver non plus, je ne suis pas payée moi. Hein. Et les autres, elles sont payées, c'est des copines, hein. Il ne faut pas oublier non plus, voilà, il faut arrêter 5 minutes. Bref, donc, de toute façon, les pouces, ça fait des. Une interaction, hein. YouTube, il compte les pouces vers le haut comme les pouces vers le bas. Pour lui, ça change rien. Donc, je m'en fous, vous me faites des stats en plus. Hein, Mais voilà, c'est après qu'on vient de me dire, de toute façon, tu ne seras jamais une grande YouTubeuse. J'ai pas la prétention de devenir une grande YouTubeuse. Voilà, tout simplement. Foutez-moi la paix. Si j'ai envie de dire que c'est de la merde, je dis que c'est de la merde. Quand j'ai parlé de la palette Sample Beauty, là, bizarrement, et pourtant, je l'ai reçue gratuite aussi, hein, de la marque. De Beauty Bay. Et là, personne a pété un câble. Là, c'est parce que ça touche Sananas. Allô, elle fait caca comme tout le monde. Hein. C'est pas non plus un dieu. Hein. C'est pas une déesse. Hein. Elle a juste une équipe qui travaille derrière elle. Hein. C'est pas elle qui fait les choses. Elle n'est pas plus professionnelle que moi. Hein. Voilà. Elle a appris les choses comme tout le monde sur YouTube, hein, d'ailleurs, hein, j'ai envie de vous dire. Bref. Donc. Voilà, ça c'est dit. Et de toute façon, j'emmerde le peuple si j'ai envie de dire qu'un produit c'est de la merde. Je dirais que c'est de la merde. Je vais pas aller vous dire oui, dépensez 50 balles alors que vous avez oublié le coup. Hein. Voilà. Donc, je vais déballer le colis de Marie. Ça, pour moi, c'est agréable. Alors. Oui, apparemment aussi, je peux pas dire ce que je veux en story. Voilà. Parce qu'on me fait des remarques aussi quand je publie des stories qui plaisent pas. Alors que ça change pas la vie des gens. Faut arrêter de comparer franchise, enfin, de prendre la franchise pour la méchanceté, enfin, de justifier sa méchanceté par la franchise. Être franc, c'est pas être méchant et juger et critiquer ce que les autres font ou disent. C'est pas ça, être franc. Moi, je suis franche et j'ai pas de filtre et pourtant, je vais pas emmerder les gens quand ils disent quelque chose qui me plaît pas.
parce que j'en ai rien à foutre. Chacun dit ce qu'il veut, c'est pas mon problème. Moi, du moment que ça change rien à ma vie, à moi, j'en ai rien à foutre. Donc apprenez un peu à faire pareil aussi. Pas vous, hein, parce que vous êtes géniaux. Surtout que le pire, c'est qu'en commentaire, il y en a plein qui m'ont dit qu'ils l'avaient testé, qu'ils ne l'aimaient pas non plus, qu'ils ont trouvé que la qualité, c'était de la merde. Il y en a d'autres qui m'ont dit que maintenant, ils comprenaient mieux pourquoi d'autres youtubeuses n'étaient pas très claires sur, sur leur avis sur cette palette. Hein. Je veux dire, j'ai rien inventé. Vous avez très bien vu quand je me suis maquillée avec que les fards faisaient des taches, qu'ils n'étaient pas pigmentés, qu'une fois estompés, on ne les voyait plus. J'ai rien inventé. Hein. Et la palette coûte 50 balles. C'est pas une à 15 balles comme les Sephora. Que là, si c'était de la mauvaise qualité, à la limite, le prix était moins, donc c'était moins grave. Là, c'est pas le cas. Alors, après les sacs Shein, j'ai trois à plein de journaux. Je vais dire ce qui se passe. Donc là, apparemment, elle a fait un tri dans ses palettes. Alors, elle m'a dit, t'inquiète, c'est pas la même chose que... Enfin, il est plus petit que la dernière fois. Ben, j'espère bien, la dernière fois, il faisait presque 10 kilos. Là, il fait quand même plus de 2 kilos, le collier. Bon, je regarde s'il y a rien qui traîne en dessous. Surprise, surprise. Bisous, bisous. J'aime bien vous me marquez tous bisous, bisous, mais non partout. J'adore. Bon, heureusement que j'ai fouillé le fond, hein. Parce que sinon, j'aurais pas vu ton petit mot. Bon. Ben, ils sont classés par ordre, il y a trois paquets comme ça, donc il y a un plus petit, un moyen qui pèse 3 tonnes, et un peu plus grand. Donc on va commencer par le petit, on ferait le moyen, et voilà. Je sens que je vais la défoncer, hein. Mais bon. Maintenant elle a mon adresse, donc j'ai peur, j'ai vraiment très peur. Fort. Deux produits. Hourglass. Ici, on a le Ethereal Light poudre lumière. Ah, ça, je l'ai bien mis. Ça peut servir comme le... comme la poudre Soft Focus, je pense. Le Too Faced que j'adore. Une grande malade. Et ici, alors on a un truc gigantesque. Attendez, hein, je cherche le français. Ça a l'air d'être 4 highlighters. Ah non. Finish powder, soft light, bronzer, golden bronze, light, blush, mood flush, metallic strobe powder, champagne strobe light. Du coup, j'ai rien compris. Mais apparemment, c'est un quad pour le teint. Ouh. C'est joli. Le blush a l'air canon. C'est tout à fait le genre de teinte que j'adore. Oh oui. Oh oui, oh oui. Le bronzer est satiné. Donc ça, pour l'été, ça sera mieux. Mais il est beau. Bon, la poudre, ça a l'air d'être la même que l'autre, mais en teinte un petit peu plus foncée. Et là, oh là, l'éditeur, c'est un beau petit champagne rosé comme ça. Encore des choses à découvrir, n'est-ce pas? Alors, on passe au deuxième petit paquet. J'ai peur quand j'ai déjà le premier. C'est Noël tous les jours avec Maryse. Oh, je vous fais bouger. Attendez, je viens les surtout. L'avantage, c'est que... Ouh, c'est Viseart, ça, non? Viseart. Violette étendue. Ouais, Viseart. Je connais pas non plus. Le packaging est très joli, en soi. Voilà les teintes, forcément c'est dans les violets. Celui-là a l'air très beau, celui-là très beau. Après, c'est pas mon genre de
teinte, entre guillemets, parce que c'est beaucoup du nude. Mais on se fera quand même le swatch and make-up. Et si j'aime pas, voilà, on s'est arrangé avec les filles. Je teste, il y en a que je revends, il y en a que je leur file. Et voilà. Alors, ici, on a Glam Box. Oh là, c'est beau. Oh, c'est exposé. Oh non! C'est tout des fards pailletés. Alors, mais il y en a deux qui ont explosé dans le transport. Mais ça a l'air tellement beau. En plus, celui-là, il avait l'air canon. Celui-là, il... Oh là là. Attendez, je swatch celui-là. Il faudra que je nettoie. Hein. Oh, oh. Oh là là. Ouh, c'est du chrome mais pailleté. Oh, il y a un vert. Oh là là, mais je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Il faut juste que je nettoie parce que... Oh merde, j'en mets mon doigt dedans en plus. Je vais essayer de récupérer un petit peu les paillettes qui ont chuté sur le côté. Je verrai bien. Je vais pas trop y toucher parce que là, je vais en avoir partout. Je vais la mettre sur le côté et j'essaierai de nettoyer ça après. Heureusement, j'ai plein d'essuie-tout pour essuyer les mains. Mais je vais quand même avoir des paillettes partout, mais c'est pas grave. Donc ça, j'ai hâte de tester, mais il va falloir que je rempote quelques-unes. Boudoir noir de chez Colourpop. Ah, j'adore Colourpop. La palette est très belle, le nom est très beau. C'est une plus grande, il y a 12 fards. Donc j'ai jamais testé ce format-là. Alors c'est du nude, mais il y a un kaki. Je crois qu'elle m'envoie dès qu'il y a un kaki dedans. C'est très joli. Attendez, il y a un cheveu. Celui-là, il a l'air canon. On va tester ça. Hein, ça fait encore des swatches de make-up. Je crois que vous allez me voir jusqu'à la fin de l'année. Non, c'est pas ça. Sigma Master. Bon, après, Maryse, oui, c'est beaucoup du nude. Hein, donc, attendez, une petite crotte de fin. Mais il y a un beau vert, là. Oh, et celui-là, oh, celui-là, il a l'air beau. Ouh. Oh, attendez, le chien veut rentrer, j'arrive. Hop là. Donc, je disais, ce fard-là a l'air magnifique. J'allais le swatcher avant que mon chien m'emmerde. Elixir. Ouh. Ouh, ça, c'est beau. Oh, la vache. Oh, il est canon. Canon, canon, canon. Donc, les fards Sigma, je n'ai jamais testé non plus. Colourpop. Et je me suis dit, Colourpop. Moi, je suis contente avec les Colourpop, hein. On a la grandeur et la baroque. Donc ça, c'est de la même collection. Oh, il y a un duochrome dedans. Oh, il y a un noir avec des petites paillettes vertes, là. Oh, c'est beau, ça. Oh, oh, c'est beau, ça. Oh, c'est beau. Ryan, tire-toi de la poubelle. Ryan. Ryan. Bouge-toi de là. Bouge. Dans la poubelle, ce crétin de chien. Et là-bas, ouh, oh là 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 là, il y a de la paillettasse ici. Oh, celui-là. Oh là là, les trois là, magnifique. On va swatcher le noir. Attendez, je cherche un doigt propre. Oh, il a une texture. Oh là là. Oh là là, ça pour un smoky pour les fêtes. Oh là 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 là. Oh, celui-là j'aime bien. Ouh, celui-là, j'aime bien. Merci, Maryse. Oh, non, 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 non. Bon, j'ai du fort partout. Et on passe au dernier où il y a les plus grandes palettes avec des petites touches au-dessus. Elle est malade. Bon, attendez, je vais découper tout le... Découper tout. Oh, yeah! Collection comme ça encore. Et c'est... Ouh, ça doit être une poudre, ça. Attendez. Powder foundation. Ah, c'est un fond de teint poudre. Génial! C'est ma teinte, en plus, porcelaine. Génial, génial, génial. J'adore les fonds de teint poudre. Et j'aime beaucoup celui de chez Kiko, que j'ai eu de la part de Manon. Petit four lila de chez Viseart.
petits quads comme ça. Donc ça, les quads, c'est moins mon kiff, mais il y a quand même deux mats et deux lumineux. Donc ça, il y a moyen de faire quelque chose. Et ils sont beaux. Écoutez, je testerai. PH, la Paris. Et elle a pris un petit coup dans la gueule aussi. J'aime bien les teintes. Et étonnamment, c'est le rouge qui m'attire. Il y a des belles teintes. BH Cosmétique aussi, j'aime beaucoup. C'est une marque que j'aime beaucoup, à petit prix aussi. Donc, voilà. Ah, la Blueberry Muffin. Mais je l'ai déjà. Donc, elle est rassure Vintage. Elle a pris aussi. Et décidément, là, ils ont pris un peu plus un coup dans la gueule, les fards. Mais c'est pas très grave. Je vous la mettrai sur Vinted, puisque nous, on l'a toutes les trois déjà. Ah, la Los Angeles. Manon, elle l'a et elle l'aime beaucoup. Mmh. Ah oui. Mais il y a eu du bobo pendant le transport. Hein. Il y a des fards qui sont... superposés, mais c'est pas grave. Je nettoierai. Elle est très belle. On va pouvoir tester et comparer la Égaliseur volume 2 de chez Sample Beauty. Cette palette-là me faisait vraiment envie, mais une fois que j'ai testé la Blooming, là, je me suis dit, non, peut-être pas l'acheter, mais il y a des belles choses. Voilà, voilà. Donc, on pourra comparer, voir si c'est mieux que l'autre ou pas, tout simplement. Et voilà, je vérifie qu'il n'y a plus rien devant, hein, parce qu'il y a une tonne de... Je nettoie mes mains. Donc, Maryse, mille fois merci, encore une fois. Tu es complètement folle, tu sais à quel point ça me touche. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je vais réparer un petit peu les petits bobos et nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Et puis je ferai des swatches de make-up. Voilà, les Colourpop, je suis ravie parce que j'adore Colourpop. La Sigma et Viseart, je vais pouvoir tester puisque je ne connais pas. Les BH, il n'y en a qu'une que j'ai, les deux autres, j'ai pas. La Equalizer, je suis bien contente. Equalizer, parce qu'on va pouvoir comparer. Le fond de teint poudre, j'adore. Et les produits Hourglass, ben, j'ai hâte de tester également. Voilà, c'est adorable. Alors oui, pour les gens qui trouvent ça, moi j'ai vraiment l'impression de profiter. Alors je sais que vous ne pensez pas du tout la même chose que moi, vous me l'avez dit assez en commentaire en dessous du colis. Maintenant, Maryse s'est beaucoup attachée à moi, tout comme je me suis beaucoup attachée à elle aussi. Et comme elle ne vend plus rien sur Vinted et qu'elle a personne à qui donner le make-up, elle me l'envoie à moi pour que je puisse tester des marques que j'ai jamais testées et que j'achèterai pas parce que, par exemple, Viseart, Hourglass, tout ça, Sigma. Si, Sigma, il y a le nouveau blush, duo blush highlighter Cendrillon, là, qui me plairait bien. Même la palette, je la trouve jolie, mais j'achèterai pas la palette, mais le duo, je pense que je me l'achèterai. Et du coup, elle m'envoie pour que je puisse tester des marques et en parler avec vous. En toute honnêteté, même si ça ne plaît pas à tout le monde, et revendre. C'est pour ça, la Blueberry Muffin, elle sait que je l'ai, mais elle me l'envoie quand même pour que je puisse la revendre sur Vinted pour me faire des sous, pour acheter mon meuble ou mettre de côté pour mes dents et tout ça. Ce que j'aime pas, pareil, je mets en vente ou je donne aux filles et on s'arrange entre nous après. Ce que les filles n'aiment pas, elles revendent, elles, sur Vinted et elles me donnent l'argent. Comme ça, les produits ne dorment pas dans les tiroirs et Maryse a donné pour moi principalement. Donc, voilà. Mais vous étonnez pas, je vais me foutre du fard partout. Vous étonnez pas de retrouver des produits que Maryse m'a envoyés sur Vinted ou chez les filles un jour. Parce que, bon, notamment les palettes Viseart, c'est totalement les teintes de Manon. Donc je pense qu'elles finiront chez Manon. Après, j'aime aussi faire plaisir aux gens. Maryse veut me faire plaisir à moi, mais moi j'aime aussi faire plaisir aux autres. Et voilà. Et en plus, ça fait du contenu à ma chaîne. Et c'est ce qu'elle cherchait. Par contre, les Colourpop, les filles, rêvez pas, vous les aurez pas. J'aime trop Colourpop. Voilà. Plus j'aurai de palettes de chez eux, plus je serai heureuse. Bref, Maryse, merci infiniment. Tu es vraiment une petite
perle, tu es une personne adorable. Ça me touche énormément à chaque fois. À chaque fois, c'est que la deuxième fois, mais je sais qu'elle m'en a déjà repréparé un. Voilà, tout simplement. C'est fou, on est d'accord. Je ne m'attendais pas à ça. Maintenant qu'elle a mon adresse, en plus, je ne peux plus rien faire puisque je lui avais dit non pour le deuxième colis, mais il est quand même là. Je ne peux plus la contrôler. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un peu comme si une maman ou une tante donnait les produits qu'elle n'aime pas en faisant son tri, ou ses vêtements, ou ces choses-là, à sa nièce ou à sa fille, quoi. Voilà, il faut voir les choses comme ça. Mais ça me touche. Voilà. C'est une personne très attentionnée vis-à-vis de moi, et ça fait du bien. Et se sentir maternée un peu comme ça, ça fait du bien aussi, je dois vous l'avouer. Donc, voilà. Bref. Donc moi, sur ce, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais aller achever la nonne. J'étais en train de regarder la nonne. En faisant mon teint, j'ai fait quelques bonds déjà, donc heureusement, je n'ai pas fait de rature. Demain, sur mon teint, je testerai ici, je ne sais pas. Et voilà. Je suis vraiment touchée. Là, je vais lui envoyer un petit message pour la remercier. Et voilà. Je vais nettoyer les palettes aussi, comme ça je pourrais faire une photo pour voir pour les prochains swatch and make-up dans quel ordre vous voulez que je vous les fasse, puisqu'il y a des nouvelles palettes à tester. Donc, voilà. Allez, moi je vous laisse là pour aujourd'hui parce que je suis chamboulée et on switch jour. Je vais mettre une page blanche pour que vous me voyez un peu mieux. Voilà. Alors, il est 10h50. Ouais, je vous prends très tard aujourd'hui, mais je glande. Enfin, non, je glande pas depuis tout à l'heure. Je suis levée depuis très tôt, enfin j'ai très peu dormi. Bon, déjà c'est parce que je suis en train de me refaire tous les Conjuring dans l'ordre chronologique, donc je dors pas bien. Mais je suis montée tard parce que j'ai achevé Annabelle 1, il me semble que c'est ça. Là je suis en train de regarder Annabelle 3, ouais, c'est ça, la maison du mal. Et donc j'ai été couchée tard, je me suis levée pour l'école pour Georges, sauf que le mercredi il commence 2 heures plus tard. Donc il est parti à 9h prendre le bus. Et je suis debout depuis 6h pour le réveiller pour l'école. Donc je suis crevette. Et du coup, je devais faire une vidéo, mais comme on est mercredi, que j'attends un colis Pussy Shop, qui n'est pas pour qu'on fasse, il y a des petites choses pour moi, puisque. Il y aura bientôt un crash test avec quelques nouveautés parce que comme du coup, pour avoir les frais de port gratuits, j'ai commandé des petites choses pour moi aussi. Donc du coup, je vous ferai un petit crash test avec ça et ce que Maryse m'a mis dans le colis. Et depuis ce matin, hier soir, j'ai fait les menus des swaps. Et depuis ce matin, oh, le facteur qui est sous la douche, le pauvre. Oui, il fait dégueu. Depuis ce matin, je suis en train d'emballer ce que j'ai déjà. J'ai commandé hier tout pour le finir, plus finir le concours de Noël. Je suis contente, j'ai réussi à vous prendre les deux produits que je voulais vous prendre. Donc le concours est complet. Maintenant, il va falloir que je trie un peu, voir tout ce que je vous ai mis et tout ça. Pas que ce soit de trop non plus, hein, que je puisse garder des choses à la limite pour le prochain concours. Il fait dégueu. Il pleut comme vache qui pisse. Et là, je suis en train d'emballer un peu ce que j'ai déjà. Comme ça, je vois un peu ce qu'il me faut comme rangement, comme papier cadeau et tout ça. Puisque vendredi, avec chérie, on va passer chez Action. Puisque vendredi, là, hier, j'ai reçu un mail de chez Hans Sanders. Donc, c'est là où j'achète mes lunettes. Normalement, j'y vais quand ils font la promo des verres gratuits. Comme ça, je paye que la monture. Donc, en principe, 150 euros. Et là, ils font monture offerte plus 100 euros de réduction sur les verres. Donc, je vais aller voir combien ça me revient, parce que si c'est 50 euros plus cher, parce que là, il est temps que j'échange quand même. Elles sont de traviole, elles tiennent plus très bien, elles me font mal le nez, j'ai des griffes dans les carreaux. Après, celle-ci, ça fait quand même 200 ou 300 que je les ai maintenant. Donc, parce qu'ils n'ont pas refait la promo avec les verres gratuits. Normalement, ils la font à peu près tous les 3 mois, et là, ça fait plus de 2 ans qu'ils ne l'ont pas fait à cause du Covid, je pense. Donc, le farceur a déposé quelque chose dans ma boîte aux lettres, mais ça doit être du courrier. Donc, voilà, je vous prévois un petit crash test nouveauté pour le 15, je pense, sauf si ça change, suivant les colis que je reçois et tout ça, si je reçois les flawless avant, après, voilà. De toute façon, on se retrouve tous les mois, tout le mois et ben, quasi presque jusqu'à la fin de l'année. Là, pour novembre, il me manque une vidéo le 30.
avec toutes les tous les swatchs et le make-up encore qu'il va y avoir grâce à Maryse. Donc voilà, si j'ai quelque chose à intégrer, je le mettrai. Sinon, il n'y aura pas de vidéo parce qu'après, c'est le calendrier de l'Avent à partir du 1er. Donc on verra bien. Mais on se retrouve. Oh là là, je suis fatiguée. On se retrouve quasi tous les jours jusqu'à la fin de l'année, hormis peut-être les lives qui pourraient sauter éventuellement. Je ne sais pas. Là, j'ai dû en annuler un le 20 novembre, puisqu'on va chez Amy pour faire l'échange des swaps et se manger un bon ensemble. Avec Manon. Donc là, j'ai dû annuler le live. Mais voilà, si les lives ils sautent, il y aura un petit trou, mais c'est pas bien grave. Voilà. Écoutez, je vais déjà vous laisser pour aujourd'hui. Je suis épuisée. Lilou est en train d'essayer de se foutre en dessous de la couverture. Comme d'hab, elle a froid. Je crois que je vais allumer un peu le poêle. Le chat dort sur un bout de plastique. Enfin, un sachet en plastique. Ouais, donc voilà, de toute façon, je vous montrerai lundi ce que j'aurai acheté chez Action. Bah, j'y vais pas pour grand-chose, hein. Je vais pour acheter mes boules de Noël parce que j'ai envie de changer enfin la couleur de mon sapin de Noël. Ça fait 4 ans que j'ai le même, j'ai envie de changer un peu. Sauf que je ne sais pas où je vais le mettre cette année parce que normalement, on le met à la place de la cage. Alors, soit je bouge la cage et je le mets quand même là, soit je bouge ma bibliothèque et je le mets là. Devant la fenêtre, c'est pas possible parce que la maison est déjà pas claire, donc c'est pas possible. Ou alors je le mets là. Ah, peut-être là, tiens. Comme ça, vous le verrez en fond quand je filme ici. De toute façon, la table, on s'en sert quasi pas. À part pour foutre du bordel. Oh là là, oh, je vais vous foutre la flemme aujourd'hui. Mamie est fatiguée. Là, je dois attendre que Georges y rentre ou que Enzo se lève pour aller à la sieste. Donc, je suis en train de glander en faisant mes papiers, mes emballages là, du swap et en regardant mes films d'horreur. Voilà, je vais peut-être manger un bout aussi. Ah oui, il est déjà 11h, c'est pour ça que j'ai faim. Voilà, et quand j'aurai le devis, je vous en parlerai pareil dans le vlog, dans le prochain vlog pour voir si ça valait le coup ou pas, si j'ai commandé mes lunettes ou pas, on verra bien. Et là, j'ai dû prendre rendez-vous. J'ai rendez-vous à 18h20 vendredi. Donc, on passera d'abord aux Actions. Et je vais aller chercher mon Bambi aussi. Ils vendent un beau cerf là, à 10 euros. Un gros. Donc, j'ai envie d'aller chercher. Et il faut que je reprenne du papier cadeau pour emballer le reste du swap. Et voilà. Ce ne sera pas conclu, ce sera pas un énorme haul. C'est pour ça que je vous l'intégrerai la semaine prochaine dans le vlog. Parce que le reste. C'est pas intéressant. Voilà. Bon, allez, je vous laisse avant de vous donner envie de dormir là parce que je fous la flemme à tout le monde aujourd'hui. Allez, on suit du jour. Alors, il est 10h37. Je sais pas pourquoi je dis ça en chantant. Hier, j'ai reçu ma commande Boozy Shop. C'était pas pour moi, mais j'ai pris quelques petites choses pour avoir les frais de port gratuits. Hein, voilà. Obligé. Donc je vais vous montrer. Alors déjà en cadeau j'ai eu ceci. Donc c'est le Multi Acid Exfoliating Serum Vegan et Cruelty Free 30 ml acide glycolique, acide hyaluronique et ACB Fruit Mix. Donc ça fait 2 jours que je le teste puisque j'ai reçu hier, j'ai testé hier soir et ce matin. Voilà, c'est pas. On verra si ça atténue un peu mes taches pigmentaires. Il y en a un que j'ai mis en wishlist qui est exprès pour les taches pigmentaires, justement. Alors, le flacon, il est rikiki. Il y a le chat qui n'arrête pas de miauler, hein, je sais pas pourquoi. Et c'est de l'eau, le bazar. Donc, c'est assez chiant à mettre. Maintenant, je me demande si je ne vais pas le mélanger avec mon autre sérum, tout simplement, pour qu'il soit un peu plus compact. Mais voilà, franchement, c'est un beau cadeau, je trouve. Il n'est pas bien cher. Oh! Démon, ta gueule. Alors, je me suis repris une colle à fossiles. Je voulais reprendre la Duo, qui est à 7,95, mais là du coup j'ai pris la Queen Tarzi, je crois que c'est ça la marque. Alors attendez, je cherche, c'est pas noté. Ouais, Queen Tarzi, parce que c'est Queen, voilà tout simplement, et qu'elle est 1 euro moins cher. Puis comme ça je vais la tester. J'ai toujours une colle en tube pour coller quand je fais des make-up artistiques et tout ça, que je dois coller plus de strass ou des francs freluches et tout ça. Ah! Donc la boîte est comme ça et voilà le packaging. Voilà, c'est pas exceptionnel, hein, c'est juste une colle à fossiles. Je verrai si elle est aussi bien que la Duo. Et j'utilise également la colle comme ça pour
coller mes cils sur les petits coussinets et coller le coussinet quand je fais mon rehaussement de cils. Le make-up, là, vous l'aurez la semaine prochaine. Je ne sais pas quand, parce que je viens de changer mon planning, vu que je viens de recevoir mes deux frelais Halloween, donc je vais vous les montrer juste après. Vous devriez l'avoir normalement jeudi. Voilà, mais de toute façon, ça viendra. Hein. Je l'ai tournée, elle viendra. Du coup, pour avoir les frais de port gratuits, j'ai d'abord repris ceci. Voilà, je l'avais déjà acheté, je l'avais donné. Parce que je ne le trouvais pas super efficace. Donc, c'est le liner adhésif pour les flofils, le Flick and Grip de chez W7. Je l'ai repris parce que je me suis dit c'est assez pour quand je colle des fossiles dramatiques, vu que je ne peux pas les garder après ma vidéo. Je me suis dit c'est assez. Voilà, ça colle plus vite que la colle à fossiles quand même, il faut attendre moins longtemps. Donc, je l'ai racheté. Et je vais l'utiliser, bah, pas demain du coup, puisque c'est une autre vidéo que je vais tourner. Et j'ai vu dans les promos ceci, alors c'est le The Big Glam Caring Glitter Lip Glow. Donc je pensais que c'était un baume à lèvres essence à paillettes. Je ne l'ai pas payé bien cher, hein, je l'ai payé moins de 2 euros je crois. Qui est en teinte... où c'est que c'est noté? Bah, c'est pas noté. C'était noté sur le petit papier, j'ai jeté le petit papier, le petit autocollant. Enfin, on s'en fout un peu. Sauf que c'est pas du tout un baume à lèvres. Voilà. Il est magnifique. Hein. Mais j'ai fait le swatch hier quand j'ai reçu. Et c'est carrément opaque, quoi. Donc moi, les baumes à lèvres, je m'en sers pour nettoyer mes... voyez? Donc c'est carrément opaque. Donc, bah écoutez, je vais le garder en rouge à lèvres, on verra bien. Hein. Je le testerai dans une des prochaines vidéos. Ça, je peux jeter, ça, je peux jeter. Et je viens donc de recevoir mes deux flawless d'Halloween. Je ne les ai pas encore ouvertes. Hein. J'ai juste enlevé le truc à côté. Je vous les montre juste comme ça, puisque vous, de toute façon, vous avez les vidéos. Je vous les remets en barre d'infos. Ils m'énervent! Donc, la première, c'est la Deadly Desire avec les roses, la tête de mort. Donc, c'est celle qui m'inspirait le moins, enfin, qui m'intéressait le moins. Mais les collections d'Halloween, je les prends à chaque fois. Parce que j'en ai déjà loupé deux, ça m'a suffi. Alors, c'est dans les teintes assez chaudes, nude, marronné. Il y a des belles teintes, hein, même leurs nudes sont très belles. Voilà, franchement, elle a l'air quand même assez sympa. Forcément, ça ne sera pas pour faire des make-up. Je ne sais plus parler des make-up de foufou. Bien sûr, moi, c'est la teinte Envie, les deux ici, par exemple, qui me plaisent le plus. Dans les lumineux, le signe, là, il a l'air pas moche. Voilà. Donc, on verra bien pendant le swatch et le make-up. Hein, vous l'avez déjà vu. Moi, je vais faire ça demain. Mais, enfin, pas demain, après-demain, parce que je vais d'abord utiliser celle-ci. La Into the Night. Très joli packaging. Hein. Le packaging est très joli. Donc, celle-ci, elle... Le chien qui veut rentrer maintenant. Bon, j'arrive. Elle est plus dans les tons froids. Ouais. Et celle-ci, elle est belle. Je pense pas qu'il y ait un équivalent. L'autre, par exemple, celle-ci, la Friends. Voilà, il y a des équivalents, quoi. Après, ils en sortent tellement que forcément, on retrouve des trucs très similaires. Hein. Mais celle-ci est vraiment jolie, quoi. Voilà. La teinte vamp ici, elle a l'air magnifique. La midnight ici aussi. La fire. Ça, c'est le genre de teinte en transition que j'aime beaucoup. Quoi qu'il n'y a pas énormément pour la transition. Hein. On va se retrouver encore un peu dans le même genre de problème qui est maintenant propre au flawless, c'est que vous êtes limité dans vos make-up, en fait, dans vos formes de make-up, dans vos bases de make-up, voilà, j'ai envie de dire. Là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 mats, dont 2 beiges. Donc, il y en a un ici, je ne vois pas l'intérêt. Il y en a un qui est un peu plus beige, l'autre un peu plus coquille d'œuf. Je trouve ça un peu débile, les deux teintes-là se ressemblent énormément, puis vous avez le mauve et le noir. Et il y a plein de lumineux. Alors oui, les lumineux sont canons chez eux, mais ça limite les possibilités de make-up. Là pour moi c'est encore une palette idéale pour les smoky creux en violet par exemple ou avec cette teinte là le noir et puis n'importe quel lumineux par dessus. Voilà, mais
en ce moment, comme on est en automne, enfin, tout le temps, moi, toute l'année, je suis à fond dans les smokies, donc forcément, je vois plus le côté smoky. Mais pour moi, c'est ce qui est l'idéal. Alors oui, certes, on m'a déjà dit, il n'y a pas que ces formes-là à faire. Non, c'est sûr. Mais c'est pour avoir toujours la même base et changer juste le lumineux. Si vous n'avez que une palette et que vous preniez que celle-là, ben, et que vous voulez vous maquiller facilement, ben voilà. Ici, il y a déjà un peu plus de mat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est déjà mieux. 10 même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non, 9. Il y a beaucoup plus de possibilités. Maintenant, ça reste du nude. Mais il y a quand même beaucoup plus de possibilités. Voilà. Par contre, il y a encore une fois deux beiges et les deux là qui se ressemblent. Pourquoi faire ça? Je ne comprends pas. Il commence vraiment à mettre plic-ploc des teintes. Je trouve ça un peu dommage. Je trouve que la composition... Alors, je ne suis jamais déçue par les Flawless. Je les aime toutes celles que j'ai. Voilà, ça reste quand même mes palettes préférées. La qualité des fards s'améliore au fil du temps. Parce que je me souviens, les quatre premières n'étaient pas top-top. Enfin, elles étaient bien, mais pas top-top. Mais ça s'améliore au fil du temps. Mais je trouve que maintenant, ils mettent vraiment des teintes comme ça, en disant, allez hop, on fait cette palette dans ce thème-là et on vend grâce au packaging, quoi. Après, ils le savent que ça fait vendre. Voilà. Donc, voilà pour mes petites réceptions colis de hier et aujourd'hui. Et c'est tout. Donc, du coup, moi, je vous ai annulé le live de samedi. Donc, là, il faut que je trouve une idée de vidéo. Il me manque une vidéo, du coup. Bon, on fera soit chez le make-up supplémentaire. Mais... voilà, je n'ai rien d'autre de plus à vous dire aujourd'hui. Là, je vais aller recharger ma batterie. Enfin, dérocher d'abord, recharger ma batterie. Comme ça, après, je vais déjà faire les swatchs, les photos, les swatchs. Et voilà. Ouais, je n'ai rien d'autre à vous dire. Je ne pensais pas les recevoir si vite, en fait, parce que normalement, j'aurais dû les recevoir que le 6. Donc, la semaine prochaine, là, on est le 30. J'ai commandé quand attendez, je vais vous dire ça tout de suite. J'ai regardé. Donc la première, je l'ai commentée. Attendez, ça s'actualise. Oui, normalement, j'aurais dû la recevoir le 6. Le 24. J'ai commandé le 24 quand c'est sorti. De toute façon, voilà, ils ont partagé l'info comme quoi c'était sorti. Je l'ai commandé direct. Donc, ça a mis moins d'une semaine. C'est ça, hein? Ouais, moins d'une semaine. Et l'autre, j'ai commandé le coffret avec la dernière Flawless aussi, là, qui est vendue qu'en coffret. Je l'ai commandé le lendemain. Donc, peut-être que je l'aurai demain. Mais sur le suivi international, là, que moi, je regarde, où vous pouvez mettre tous vos numéros de suivi, c'est marqué livraison en France. Donc, je ne sais pas si je vais l'avoir en temps et en heure. Bon, après, ça urge pas, on est d'accord. Hein, mais vous savez que les Flawless, j'aime vous les sortir assez vite. Donc, voilà. Bon, écoutez, on verra bien. Là, je vais déjà vous faire les deux là pour ce vendredi, samedi. Donc, vous les avez déjà eus. Et le coffret, on fera quand je l'aurai reçu, de toute façon. Voilà, tout simplement. Allez, on switch de jour. Bon, il est très tard, les gens. Il est 20h16. Et je vous prends seulement maintenant, parce que j'ai eu une journée un peu de taré. Déjà, j'ai filmé la vidéo pour que je devais vous poster ce soir, hein, que vous avez eue. Et du coup, j'ai oublié de changer la date de l'autre. Donc, vous avez eu deux vidéos ce soir. Voilà. Mamie Boulette a frappé. Ensuite, après, j'ai dû faire le montage, bien évidemment, pour pouvoir vous la poster le soir. J'ai fait aussi un live sur Insta, pour mettre un peu les choses au clair avec une certaine personne. Je n'ai pas trop envie d'en parler ici. Voilà. Je vais mettre les trucs à la une. Comme ça, si vous voulez aller voir sur Insta ce qui s'est passé, vous avez la rediff de l'IGTV et les stories qui ont précédé pour montrer les pics et tout ça. Mais j'ai pas envie de te parler de ça ici. Elle m'a assez énervée. Donc, chérie est rentrée. Après, j'ai été faire ma sieste, hein, bien évidemment. Je me suis démaquillée aussi assez tôt parce que, comme j'ai été chez l'opticien, je pensais qu'il allait vérifier mes yeux, mais il ne l'a pas fait.
J'ai été commander ma nouvelle paire de lunettes, donc j'ai un petit peu dépassé le budget que je mets d'habitude. Elles sont à 308 € avec les verres, mais bon, j'en ai déjà pour 127 € par verre. Hein. Donc voilà, ça vous situe à peu près la chose. Je ne paye pas très cher. En fait, j'avais une réduction de 100 € sur les verres et une réduction de 39 € sur la monture. J'ai repris des Ray-Ban, mais j'ai pris une forme un peu plus arrondie. Donc normalement, je les ai la semaine prochaine. Vous les verrez que dans le vlog qui suivra, puisque je vais certainement devoir aller les chercher soit vendredi soir, soit samedi. Sauf s'il y a du retard, ça sera dans la semaine. Et du coup, voilà, je vous les montrerai par après. Mais voilà. Et là, on va finir sur un petit haul Action, puisque je suis passée chez Action. Alors, je voulais aller chercher mon Bambi. Il y a un beau cerf à 10 €, c'est gros comme ça. Mais il n'y en a plus. Donc, je suis dépression, là. Voilà, je suis passée en mode dépression. Là, j'attends que Chéri fasse à manger pour manger, parce que j'ai très faim. Mais il attend que ce soit l'heure du foot, comme ça, il mange devant son match de foot. Bref. Mais il me fallait aussi des boules de Noël, puisque je vous avais dit que je voulais changer mes boules de Noël, la couleur de mes boules de Noël. Je vais y arriver, je suis fatiguée, il est tard. Donc j'ai pris, sans surprise, les roses. C'est les mêmes qu'Emmie, hein, elle a pris exactement les mêmes. Donc il y a des roses, il y a des mats et des métalliques dedans. Enfin, métalliques. Voilà. Elles sont pas exceptionnelles, mais bon, ça fera dans mon sapin, ça fera joli. Par contre, il n'y avait pas de guirlandes, à part des blanches. Il n'y avait même pas de blanches, parce que j'aimerais bien une blanche pour mettre au milieu du sapin et deux roses poudrées, comme ça, pour mettre au-dessus et en dessous. Mais j'ai pas trouvé. Je me suis pris celle-ci avec 20 LED pour mettre, je pense, dans mon fond. Je vais peut-être la mettre sur l'étagère, ici. Voilà, je vais avoir plein de loupiottes, on va se croire à Noël toute l'année, mais voilà, je la trouvais jolie. Par contre, j'ai pas le ticket. Ah si, attendez. Hop là, il est là. Donc les boules, le grand méga box boule à 6,95 €. Donc ça va. Hein. Et celle-ci, attendez. €3,49. Bon, elles fonctionnent sur pile, donc il va me falloir des piles. En plus, il faut 3 AA. Donc, faudrait que je rachète des piles rechargeables, mais je dois encore en avoir plein à mon bureau. Alors, toujours pour Noya, je me suis pris deux comme ça. Voilà, j'achète tous les ans des boules, surtout avec des cerfs. Donc là, j'ai pris, parce qu'à l'intérieur, vous avez des paillettes argentées, puisque mon sapin... c'est toujours la base est argentée et blanche. Et je change juste la couleur des boules et des guirlandes, en fait. Comme ça, je ne dois changer qu'une partie de mes boules et pas toutes mes boules, vous voyez. Donc, elles sont très belles. Vous avez des sapins et des bambis. J'ai pris parce qu'il y a des bambis dessus, hein, clairement. 99 centimes la boule. Monsieur, il est en train de chanter l'hymne de son équipe de foot. Et le dernier produit Noël que j'ai acheté, hein, on va dire ça comme ça, j'ai racheté une guirlande lumineuse pour mon sapin, puisque moi j'en ai deux dans mon sapin, mais j'ai une blanche et une chaude, enfin une froide et une chaude, donc ça fait vraiment pas beau. Donc là j'ai pris une comme ça, elle fait 15,7 m, donc 5 mètres du transfo jusqu'à la première ampoule, donc il y a 10,7 m de loupiote, il y a 8 fonctions de truc, il y a un timer et vous pouvez la mettre aussi en extérieur. La distance des trucs c'est de 2 cm et elles font 5 mm de haut. Voilà, donc il y a 540 LED. J'ai envie de vous dire pour le prix, elles étaient à 10 € je crois. Attendez, hein, 15 €, ouais, 14,95 €. Donc 15 € la guirlande. Il y en avait une qui était plus grande, mais avec 200 LED seulement dessus. Donc je préférais prendre une plus petite, puisque de toute façon, c'est une chaude cette fois-ci. Hein. Il n'y avait pas de froide. J'ai une autre chaude au cas où pour mettre dans mon sapin. Et voilà. Et au pire, je mettrai la froide ici dans mon sapin. Je ne vais pas refaire du bleu cette année. Je vais prendre mes boules bronze dorées et tout ça pour les mettre dans mon petit sapin blanc. Ça fera joli. Donc voilà, c'est tout pour Noël. Après, on n'a vraiment pas pris grand-chose. Chérie s'est pris des bonbons.
Voilà. Tiens, Amy, il a pris les mêmes que le dindon et il est arrivé comme ça. Voilà. Alors attendez. Les Rodéos sont à 1,99€ et les Haribos sont à 1,99€ aussi. J'ai fait une razzia dans les briquets parce que je tombe toujours à court de briquets puisque mes gosses, je crois qu'ils les mangent. Donc j'ai pris 3 lots de briquets électroniques parce que ceux à billes, j'ai vraiment du mal, enfin à roulette, j'ai vraiment du mal avec mes mains. Ça me fait hyper mal, j'ai du mal à les allumer, donc je prends toujours des électroniques, mais chez Action, ça faisait longtemps qu'ils n'en avaient plus. Donc là, du coup, j'ai pris 3 paquets de 4, au moins ça me fait un petit stock. Je vais m'en planquer la plupart, hein, parce que les garçons me les bouffent, je vous jure, ils les bouffent. Des fois, ils m'en prennent un par jour, quoi. Mais avant d'arriver à la caisse, du coup, j'avais pris ceci, voilà, pour laisser sur mon bureau, pour allumer mes clopes. Je me suis dit, ce serait déjà pas mal. Et voilà. Et je pense que c'est rechargeable. Ouais, c'est rechargeable en plus. Donc, je pense que je vais en laisser un en haut pour quand je vais allumer des bougies. Enfin, quoique non, j'allume jamais bougies. Donc, non, ce que je dis, c'est débile. Donc, les briquets étaient... les allumes-gaz sont à 1,39€. Et les briquets étaient à 82 centimes. Donc, je ne me suis pas ruinée. J'ai retrouvé des friandises pour les chichous. Donc, normalement, c'est pour lapin, hein, lapin, cochon d'Inde, hamster. Mais bon, comme c'est des légumes, mélange à grignoter. C'est des trucs séchés. Il est ouvert parce qu'il leur en a déjà donné un. Ils sont un peu gros. Donc, il faudrait qu'il essaye de... Moi, je n'y arriverai pas avec mes mains. Non, moi, je n'y arriverai pas. Mais il faudrait qu'il essaye de les casser en deux parce que sinon, c'est trop gros pour eux. Ça ne fait pas beaucoup. Je ne sais pas s'ils disent le nombre de pièces qu'il y a dedans. 75 grammes, mais ils ne parlent pas en pièces, mais voilà, s'ils sont coupés en deux, ça sera déjà pas mal. Ils ont beaucoup aimé. Et là, c'était 99 centimes. Et pour terminer, je suis passée dans le rayon papeterie, comme d'habitude, parce qu'à chaque fois, je regarde s'il y a des to-do list et des desk planeurs, parce que je suis accro à ça. To-do list, il y en avait plein, j'en ai pris qu'une, parce que Emine m'en a pris deux. Je crois. Donc voilà, que j'aurai dans le swap. Et je me suis repris aussi des stylos de couleur, parce que moi j'adore écrire avec des stylos de couleur sur mon planning et tout ça pour bien m'y retrouver. Et du coup j'ai repris ceux-là. Vous avez 10 couleurs. Après ça se vide assez vite, puisque c'est du gel qui est à l'intérieur. Ça part assez vite, mais bon là c'est des grands. Donc ça devrait faire l'affaire. Ils étaient à 99 centimes, voilà, pour les 10. Et je me suis pris une to-do list parce que je l'ai trouvée trop belle. Je sais qu'Emmy, elle l'a pris une fois, mais je ne sais pas à laquelle de nous deux elle va la mettre. Donc, voilà. Très jolie to-do list. Je suis accro aux to-do list, bien que je ne m'en trouve jamais, mais je trouve ça tellement pratique. Moi qui suis accro à toutes les listes de toute façon, je fais des post-it, des listes pour tout, voilà. Et elle était à 79 centimes. Donc voilà pour mon petit haul Action. Vous voyez, c'est pas énormément. On en a eu en tout pour 37€, non, 38€. Quoi. Donc c'est pas énorme, mais je suis bien contente que j'ai mes boules de Noël. Voilà. Au moins, il ne me restera plus qu'à acheter les guirlandes. Et peut-être si je retrouve quelques boules roses un peu plus. Enfin, quoique non, plus vif, je ne sais pas si ça sera joli. Donc, on verra. De toute façon, le sapin, je pense qu'on le fera ensemble en vlog quand ça sera la période du sapin, puisque je n'ai pas le droit de le faire avant le 6. Je dois toujours attendre que la Saint-Nicolas soit passée, bien qu'on ne passe plus à Saint-Nicolas, mais je dois attendre. Et celle-ci, j'allais voir après des piles, et je pense que je la mettrai sur l'étagère là. Voilà. Puisque là, j'ai le vase, et là, j'ai pas de loupiote. Donc, enfin, si, j'ai mes roses, mais je les allume jamais, parce que c'est trop chiant. Et mes petits bambis, là, je suis bien contente. Voilà. Et ben, voilà. Sinon, alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Que j'ai mal à la gorge. Je suis en train de tomber mal. Sam est rentré hier de l'école. L'école m'a téléphoné pour me dire qu'il le renvoyait parce qu'il toussait beaucoup et qu'il n'était pas très bien, qu'il avait mal la tête. Et il a une bronchite. Voilà, on a été chez le médecin hier soir. Donc, il était arrêté encore aujourd'hui. Il est sous antibiotiques. Et il reprend lundi. Du coup, moi aussi, j'ai mal à la gorge. Je tousse et j'ai mal à la tête aussi, donc je me suis chopé sa bronchite en clair. Moi je vais pas prendre d'antibiotiques, je vais attendre que ça passe, ça prendra un peu plus de temps, mais je vais me soigner avec des rhinofébriles. Et voilà pour ça.
Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Il y a toujours le concours, je ne sais pas si je vous en ai parlé dans ce vlog-ci, mais je vous le mets en barre d'infos. Il y a toujours le concours de Manon pour le calendrier d'Avent Essence. Elle est presque à 1000, donc là, c'est le moment, les gens. Voilà, on attend ça avec impatience pour que quand on se voit, on puisse faire la fête et boire un coup. Bien qu'ils ne boivent pas, mais je boirai un café à leur santé. Voilà, et le planning de la semaine. Ah oui, je ne vous ai pas donné le planning, attendez. Je suis momole, hein, mais il est tard. Hein. Voilà, mamie, il n'y a qu'une seule envie maintenant, c'est d'aller se poser devant son PC, regarder les vidéos des copines et tout ça, tout ça. Alors, le planning, toujours en sachant qu'il risque de changer. De toute façon, ça va être des swatches et de make-up, hein, principalement, sauf le mercredi où ça sera la Queen of the World du Canada. J'ai trop hâte. Moi, je la tourne dimanche, du coup, puisque là, je vous tourne les flawless en priorité. Le vendredi, il y aura ma collection d'highlighter et le vlog dimanche. Sinon, le reste, c'est des swatches et make-up, en sachant que j'ai encore un coffret Révolution avec une flawless Révolution qui doit arriver et que je viens de commander la nouvelle palette de chez Beauty Bay. Voilà. Oui, je crois que je vais commencer une nouvelle collection. Hein. J'ai 3 palettes Beauty Bay, là, et c'est, enfin, 4 maintenant avec une nude que Maryse m'a offert, mais je pense que je vais pas la garder, celle-là, parce que en nude, j'en ai d'autres. Donc, du coup, voilà. J'attends celle-là et ça sera en priorité puisque c'est des nouveautés. Donc voilà, autant essayer de faire le plus de vues possible quand c'est une nouveauté que des trucs qui sont déjà sortis qui fera moins de vues. Hein, voilà, il faut être honnête aussi. Hein. Donc voilà, vous savez, je ne sais pas dans quel ordre je vais vous les mettre. Là, j'ai déjà tourné celle de. J'en ai déjà tourné 2. Il y a la Move, je sais plus quoi, de Colourpop. Et la AC Beauty, non pas la AC Beauty, c'est là, c'est celle qui est sortie, qui n'aurait pas dû sortir aujourd'hui. La Odden Ice, voilà, j'ai testé, vous verrez. Celle-là, si je ne reçois pas les autres, bah non, de toute façon, je ne les recevrai pas. Sauf si je les reçois lundi, ça sera celle de lundi, en toute logique. Ah non, ça sera la Colourpop, je ne sais plus. Enfin bref, voilà, vous savez que de toute façon, le reste des vidéos, c'est des swatches de make-up. Oh, j'ai le droit, qui me chatouille. Et voilà, donc je suis hyper crevée, j'ai faim. Là, je vais descendre, j'ai froid aussi, je suis gelée. Voilà, bah écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire. N'oubliez pas d'aller vous abonner à Manon, s'il vous plaît, les gens, elle est bientôt à 1000. Hein. Il lui en manquait 30 hier, je crois, j'ai pas été revérifiée aujourd'hui. Et voilà, j'ai un trou maintenant dans mon planning, ça me plaît pas ça. Puis il faudrait que je m'active un peu pour pouvoir vous tourner les vidéos d'Halloween parce que ça, je peux pas les tourner au jour le jour. Ça va être trop compliqué à gérer. Voilà. Bon, allez, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air pour me faire plaisir. Et ceux qui veulent s'amuser à mettre des pouces en bas, faites-vous plaisir, je m'en fous. Et de vous abonner au passage aussi si c'est pas encore fait. Et on se retrouve de toute façon demain et tous les jours, tout le mois de toute façon. Et en attendant, je vous dis bisous bisous.